C'était très bien. À Vitrolles? Ouais. On a été très bien accueillis. Bon, le cinéma il est dans le quartier dans lequel j'ai grandi, donc c'était très émouvant. Et pâté, plan de campagne aussi, c'est quelque chose d'important pour moi parce qu'ici j'ai pu regarder tous les gros classiques quand j'étais jeune. C'était vraiment l'endroit où il fallait un venir. Un souvenir en particulier? Tous mes premiers dates, c'était ici. Toutes les filles que j'ai pu ramener au cinéma et tout, j'espère qu'au moins une pourra venir constater que je les ai ramenées en tant que spectateur et aujourd'hui je vais être derrière l'écran, c'est extraordinaire. Oui. Acteur, c'est... Acteur, maintenant, ça y est. C'est beau, c'est beau. Voilà. Est-ce que vous pouvez me présenter Maximilien, on va dire? Et je vais présenter Max Boublil. Ah, alors? Bonjour. Présentation. Salut, ça va? Ravi d'être là, trop content d'être là. On est ravi de présenter le film. On espère que ce film va plaire aux gens, qu'il va les faire rire, qu'il va les divertir. Et qui vont être aussi touchés par l'histoire parce que c'est aussi une histoire qui est touchante. Voilà. Et c'est un film qui nous tient à cœur parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, eh ben, il était temps de faire un film qui rassemble. Parce que, à regarder tout ce qui nous divise, on oublie tout ce qui nous rassemble. C'est vrai. Et vive la République, et vive la France. Et voilà, vous pouvez voter pour moi. C'est pas la bonne phrase, mais c'est bien. C'est pour les élections, ça. Ouais, c'est pour les élections. Ouais, ouais, exactement. Vous pouvez faire un tir groupé. Comme un politique. Comment ça s'est passé? C'était une très bonne entente. Ouais. Parce que le réalisateur. Là, j'ai peur, c'est pour ça. Le réalisateur, il nous a laissé. Non, le réalisateur, il nous a laissé place à l'impro, à tout. Donc, il nous a vraiment fait confiance. Et l'ambiance sur le plateau, elle était magnifique. Elle était magnifique. Meilleur film que j'ai fait. Meilleur film que j'avais. Moi, j'en ai fait pas beaucoup, mais. Ça va se sentir en plus, ça se sent dans le film, je pense que. Ouais. Alors, ça, c'est vrai parce que, en fait, quand. La première. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, la première journée où ils ont tourné en fait ensemble. Donc en fait c'était un peu Max qui était un détenu en fait qui cachait un peu le fait qu'il était juif et qui avait un petit peu peur des gens qu'il a retrouvé dans sa cellule. Et en fait naturellement il y a quelque chose qui s'est fait en fait quand Steve est arrivé avec son charisme. Il a tout de suite embarqué Malik et Julien aussi dans la cellule en laissant Max de côté qui s'est retrouvé très isolé. Et la première scène en fait c'est exactement ça. Et petit à petit, en fait, il y a cette intégration de Max à la bande qui s'est fait assez naturellement, et comme eux dans la vie. Et ça, en fait, je pense que ça se ressent. Bah oui, parce qu'on a tourné dans le sens chronologique du. Voilà, c'était. Tout à fait. C'était ça. En gros, ce que le réalisateur dit, c'est une. Essaye de dire. C'est en mode acteur studio, en fait. Voilà. On s'est vraiment mis dans la peau du. Voilà. Vitrolet incroyable. Vitrolet. Il est arrivé, il a fait. Ben moi, je connaissais un peu la maison, donc c'était facile pour moi d'intégrer mon personnage. Non, vraiment, c'était une très 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 grande expérience. Bon, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tourné dans beaucoup de films, j'en ai fait une quinzaine, mais sincèrement, c'est le film où il y a eu la meilleure ambiance que j'ai pu tourner. On était beaucoup, toutes les communautés différentes réunies, et c'est pour moi le film il est réussi. Peu importe les chiffres, on s'en fout. Pour moi, le film il a été réussi. Et je vous laisse le présenter. Bah ouais, on est trop impatients. Merci beaucoup. Et la radio de ce matin, elle était magnifique. C'est quoi, un traître.